Bonjour et bienvenue, Little Big Workshop. On retrouve nos petits bosseurs. Bon, ça a bien travaillé jusqu'à présent. On est en train de faire des commodes hautes. Je vais accélérer un peu et on vient de débuter une nouvelle journée. Donc, on va voir ce qu'on a. On a les défis, c'est pas mal ça. 28 000, date limite 8 jours. Les commodes hautes, c'est ce qu'on est en train de faire. Tiens, pourquoi je ne peux pas les accepter? Ah ben parce que je suis en train de les faire, ah tiens. Ah ouais. Bon ben c'est cool. Et ça, c'est pour Kizvekia. Et ça aussi. Ah, c'est pas mal. Il va falloir qu'on s'intéresse aux robots. On va voir le plan. Parce que certainement qu'on aura des machines qu'on n'aura pas. Voilà, par exemple ça. C'est l'assemblage robotique. C'est où? C'est là. C'est ce truc-là. Ça coûte 8 000. La vache. Waouh. 8 000. Eh bien... Poste le test des robots, mais pour ça il me faudrait une pièce supplémentaire quelque part par là. Il va falloir que je réduise un peu cette ou que je décale cette zone vers le bas de façon à pouvoir entrer en haut. Alors le temps qu'ils font les commodes, ouais, on pourrait peut-être rajouter ici une pièce. Alors l'assemblage des robots, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grande pièce. On va voir, on va la faire comme ça. Voilà, et il va falloir détruire... Je vais peut-être pousser un petit peu ça. On va le déplacer là. Cette zone-là, je pourrais l'agrandir un peu plus. Voilà. Mais je peux pas la valider, là. Ah, ils sont là. Ouais. Ok, donc on va pousser davantage l'étagère. Allez, tourne-toi. Voilà, toi on te met ici et toi on va te mettre à côté. Ouais, vas-y, enlève-la. Voilà, merci. Voilà. Ça va vachement réduire la zone. Ouais, on va la mettre comme ça, quitte à en refaire une autre zone. Combien on est là? En bonheur, on est à 30. Ouais. On va remettre une porte ici. Voilà. Donc là, les gars, ils vont arriver à faire la pièce. Ouais, c'est bien le défi. Je vois qu'il reste 6 jours et 19 heures. On est pas mal en avance. C'est bien, c'est bien. Voilà, les gars, ils arrivent, non, pas encore. Ah oui, il faut commander 4 000, mine de rien. Voilà, ils vont venir faire la pièce. Ça fait peut-être un peu loin la zone de stockage ici. Je vais en refaire une autre... Une autre là. Ouais, on peut faire comme ça. Ok, stockage général. Voilà. Allez, c'est bien. Ça bosse, ça avance. On en a fait 5 sur 15. Comment sont les machines là? Oh. On va réparer celle-là. Les deux postes de colle. Là où il n'y a rien qui bosse. Et là non plus, on peut éventuellement réparer ça s'ils n'ont rien à faire. Voilà, toutes ces machines qu'on a utilisées. Voilà, c'est bien, ça les occupe. Ici, là,
Ici, oh bah, on est plutôt pas mal. On n'a que 11 en motivation. Voilà, la pièce est bientôt terminée. Alors 8000, je vais peut-être pas l'acheter maintenant. Il va falloir refaire des contrats supplémentaires. Voyons voir ce qu'on a. Contrat simple, moyen ou avancé. On a... Tiens, ça on pourrait faire. Ouais, là c'est en train de se casser la gueule. Le prix est bon, pourtant 1600. Là on pourrait démarrer ça, préparer un plan produit. Ça va faire travailler le métal. Il faut 28, non, 40, 53 et 10. Oh la vache, c'est pas des petits trucs ça. Donc il va falloir taper fort dans les composants en espérant qu'on ait le maximum de machines. Bien sûr qu'on n'est pas à en racheter. Alors 8, 3, il faut 40. On va prendre des poignées en bois. On va voir si ça va le faire. Ça se peut, ça le fera pas. Là, on a accès à ces matériaux. Ouais, on va faire comme ça. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut monter ça, ok. 15, 15. Il nous manque de la grille étude. Ouais. Là, on ne l'a pas. 40 là-haut, c'est bon. Et il faut monter à fond le truc là, quoi. Il nous manque de la grille étude et je ne vois pas où elle est pour l'instant. 2, 8, on va prendre celle-là. Et là, oui, on prend des matériaux un peu plus chers, mais on a besoin, on a besoin. On va faire ça comme ça, métal. Et je ne vois pas la grille étude. 46, 53, il nous manque un style là, beaucoup. On va prendre celui-là, 52. Et là, on va prendre ben, celui-là, 55. Ok. Alors, je vois qu'il y a des machines qu'on n'a pas. C'est quoi? C'est. Comment ça s'appelle ça? Une fraiseuse, 2008. D'accord. Fraiseuse et. Ben, là, pour l'instant, il nous manque que des fraiseuses. D'accord. Et puis, ouais, ça c'est la fraiseuse. D'accord. Bon, on a à peu près ce qu'il faut. Juste la grille étude. Alors, je ne sais pas où elle est là. Il faut trouver dans les composants à quel endroit elle est. Elle n'est pas là. Ah, il me manque ça. Je n'ai pas la grille étude. Où est-ce qu'on va régler cette grille étude? C'est par là. Alors, on revient, on va prendre, il nous manque quoi? 6, on va prendre celui-là, voilà, là on y est. Et on prend le moins cher ici. Voilà, donc là, on est presque bon, il nous manque encore là. Voilà, 42, 53, 10, on est bien là, on est bien. Mais on va avoir des machines acheter. Donc pour l'instant, on va le garder sous le coude. J'ai 12 000. Les commodes, ça s'avance pas vite. La pièce ici est finie. Ce sera des machines pour le métal qu'on va racheter là. Donc ce que j'aimerais bien faire, on est combien là? On est à 27 en santé, enfin en motivation. Il y aurait bien deux machines que je voudrais mettre là. Ce truc-là, il m'embête un peu là. Mais je sais pas trop où le mettre. Là, je peux pas le mettre. Là-bas, ça va pas, ça va gêner. Je vais le poser comme ça, on verra bien. Allez, ça serait bien qu'il termine les commodes hautes, là, qu'on lance ce truc-là.
Bon, on va peut-être pouvoir les mettre ici, hein, les nouvelles machines. On n'a plus que 11 000 en caisse. On va activer le mouvement. Voilà. Les machines, comment elles vont là? On va réparer celle-là. Et celle-là. Et voilà, un poste de colle. Et l'autre. On y est presque, on y est presque. Je peux pas les vendre avant, il faut que j'attende que qu'elles soient terminées. Allez, on a bientôt fini là, 97%. Voilà, ça y est, hop, on les livre. J'espère qu'ils seront contents. On va réparer un maximum de trucs. Voilà, allez-y, livrez les gars. Et j'espère qu'on va toucher un bon pactole là. Voilà, on a reçu 14 000. On a 34. D'accord. Alors, on va voir ce truc-là. Là, on est en demande de zéro, mais ça va monter à la période d'après. Donc, on peut le faire. On a deux. Une, deux machines à acheter. On a 34 000. Allez, on y va. On y va, on y va. On va prendre le poste de soudure là. On va mettre. J'en mettrai bien qu'un pour l'instant. On va prendre d'autres machines là. C'était quoi? Non, le test des robots, c'est pas maintenant. C'était la fraiseuse. La fraiseuse que l'on va retrouver. Voilà, ici. On va prendre la belle machine là. On va la mettre là. Donc là, j'en ai qu'une. Ça me fait 7 000. J'ai bien envie d'en prendre deux. Voilà, on est à 10 000 et on tente le coup. On va reprendre un poste de soudure. Voilà, on est à 14 000. Waouh! Ça nous fait qu'il nous reste plus que 20 000 et on va rajouter deux petits postes pour pouvoir bosser ici et là. Voilà. Alors bien sûr le décor de la pièce, moins 70 la vache. On va mettre un jeu vidéo. On va le mettre là. Donc ça va rapporter pas mal, mais on est encore à moins 10. On est à 15 000 de commandes. Et on va mettre la machine à bonbons là qui coûte rien et qui rapporte beaucoup. Voilà, on est à 40 en motivation. 16 000 de commandes. Ouf. Allez, c'est parti. Succès déverrouillé, atelier de misère. Sympa. Ça fait toujours plaisir. Voilà, il livre les machines. Allez les gars, allez aider les chauffeurs là au lieu de boire leur café. Voilà, c'est bien. Hop, 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 on vient ici. Voilà, on va lier tous les groupes, bien sûr, avant de lancer la production. On n'est pas en retard, hein, au niveau de la production. Encore, ah, encore, c'est pas fini. Voilà, ramener les caisses. Très bien. Alors, ça, on va le lier avec ça. Et avec ça, et celui-là. On va lier les deux bécanes. Voilà. Il me faudrait quelque part, si je la fais à l'entrée, une zone ici, ça risque d'encombrer peut-être un peu le passage. On va la mettre là, on verra bien. Si ça va pas, on la changera. Ça sera donc une zone de matériaux spécifiques qu'on va lier à ça et qu'on va lier à ça. Voilà, donc là on est bon et nos machines sont bien liées chacune au poste nécessaire. Ok, on a les deux là, ouais, c'est bon. Bon, et eh bien on va pouvoir se lancer. Alors on n'a plus que 17 000 et il nous en faut combien de trucs là? C'est quoi? C'est des gros barbecues là. Il nous en faut 21 unités, ça va monter, d'accord. Donc on va faire un lot
Et on va dire 20. Ça nous prend combien en pognon, ça? 5 000, ça va. Si j'en fais 25, ça devrait aller. Paiement 47 000, profit 34. Ça risque d'être un peu long à faire, je pense. 49 jours de temps de travail pour 6 jours de temps d'opération. Putain, c'est énorme. C'est pas un défi. C'est pas un défi. Donc on va le lancer. Alors il y a beaucoup de machines à lier. Tout ce qui va être moulure va être fait là. Voilà. Découpage de tôle, c'est pas loin. Il n'y en a qu'une machine. Pliage du métal, ça c'est une machine que j'ai achetée récemment ici. Les postes de soudure, on vient de les créer. Ils sont là. L'emboutissage du métal, c'est là-haut, il n'y a qu'une machine. Les injections, ça fait travailler donc aussi la mousse. Ouais, c'est assez complexe à réaliser, mais c'est bien, c'est bien. Moulure, injection de mousse, c'est une machine récente, ça. Là, ici, voilà, on en a deux. Tout ce qui est coupe droite va être fait ici. Détail simple, c'est la fraiseuse. Ah, nouvel appareil. On va la lier ici. Et il nous reste les grosses opérations d'assemblage. Voilà. Ok, on est bon là. On travaille en lot, on a une commande de 25 et c'est parti. Grosse commande. Allez les gars, on se bouge là. Voilà. Le camion est arrivé. Allez l'aider à décharger, reconfigurer les machines. Voilà, c'est ce qui se passe. Oh là là, il reconfigure tout. Et il livre les matières premières qu'il commence à apporter sur les bonnes machines. Voilà, lui est en train de regarder la notice pour savoir comment ça marche, le poste de soudure. Voilà, il reconfigure tout. Ça perd un peu de temps, mais c'est pas un défi, donc ça va. Allez, décharger tout. L'important, c'est que voilà, il débarrasse le camion. On a 4 livreurs. Ok, c'est bon. On est à 446 000 et à 480, on obtiendra 2 points de recherche et développement. Voilà, ils sont en train de tout stocker ici. Ils pourraient stocker également là. Ils n'ont pas fini de vider le camion. Dépêchez-vous, les petits gars. Eh, ça a commencé, mine de rien. Ah ouais, bien vu. D'accord, il ramène les petits carrés un par un de là pour les amener ici sur la fraiseuse. Ah ben dis donc. N'a pas fini. Le camion n'est pas fini et le jette tout par terre. Voilà, c'est malin. Ça vole de partout. Oh, puis il y en a beaucoup. Hein. Pour 25 barbecues, il y en a vraiment de partout. Oh la vache. Wow, mais. Elle est partie. Eh ben, dis-donc, toi, on te laissera pas de pourboire. Hein. Allez, ça roule. Bougez-vous, les gars. Il va falloir avancer. Et pas l'instant là, on pourrait voir dans les défis. Ah, bah tiens, des bongos. Mais ça, on sait faire, les bongos là. 15 unités, 2005, 2 jours. Hein. Les skis, 3 jours. Pour Crazy Steve. Comment on est dans les relations avec les clients? Crazy Steve, ouais, on a encore pas mal à faire avec lui. Zvekia, c'est pour Zvekia les barbecues, je crois, mais il faut le trouver un défi pour lui. Gros NB7. Ouais, pour Zvekia. Il faut les trouver un défi pour Zvekia. Crazy Steve, Zvekia. Ah, c'est les commodes, mais les commodes, c'est long à faire. 7 jours pour faire ça.
Ça, c'est un défi. Un petit peu embêtant. Je prends le risque de le faire. Oh, j'ai plus que 9000 en caisse. Il me faut 14 unités. Ah, ça va être chaud là. J'accélère et je vais attendre un petit peu qu'ils avancent sur les barbecues là. Attention à la santé des machines. Parce que là, on en est à 18%, 19%, et on n'a pas sorti encore. Les plaques sont en train de se mettre ici pour être assemblées. Elles ne s'usent pas trop vite, les machines? Non, ça va, je vois. Ici, ils n'utilisent quasiment plus les machines à bois. Par contre, tout ce qui est métal, plastique, c'est plein pot. Ouais, c'est pas trop mal. Il faut quand même... Là, voilà, j'ai plus que 6000 en caisse. Hein. Il y a 3000 qui sont partis depuis tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention. Ça coûte hyper cher de faire ça, quoi. Je crois que j'ai bien fait de ne pas lancer notre production en plus de celle-là. Ouais. Alors, quelles sont les opérations qui demandent beaucoup de temps? C'est par ici, je crois bien. L'assemblage, c'est beaucoup aussi. Là, il n'y a plus rien là-haut. Ici, 20 minutes, 8 heures, 6 heures. Ouais, non, ça devrait le faire. Ça va, les machines tiennent le coup, je vois. Ici, on va remettre ces deux-là comme il faut. On a changé de période. Et on n'a toujours pas sorti un barbecue avec 42% de réalisation. Waouh! Voilà, ils sont prêts pour l'assemblage. Là, les barbecues. Ah! Téléphone. Vous commencez vraiment à me taper sur le système. Parasol était une de mes meilleures filiales et vous l'avez dépassée. Préparez-vous à mourir. Enfin, à fermer. Oui, fermer est peut-être un terme plus correct. Ouais, ouais. Allez, on continue. On surveille la santé des machines, là. Ça a l'air d'aller. On va peut-être pouvoir réparer ces deux-là. Les deux postes de soudure, il n'y en a qu'un qui a servi apparemment. Là-haut, les machines à plastique, c'est bon. On va les réparer. Ok, celle-là, elle bosse pas mal ici, là. Voilà, on va la réparer aussi. On a pris un barbecue de près. Regardez-moi ça, comme il est joli. Magnifique. Deux. Et ils sont pas contents, pourquoi? On est au bord de la faillite, hein. Moins 247, moins 400, putain ça descend vite, hein. Ouah, ça descend super vite quoi. Alors j'en ai toujours que deux, et je vais arriver à moins 1000 bientôt là. Oula. Assemblez les gars, assemblez. Hop. Il y a un agent de Nemesis. Alors on va vendre déjà ces deux-là. Ça me rapportera 4000. Ok. Et il y a un agent de Nemesis. Alors soyez... Mais le problème c'est qu'il y a vachement de monde de partout. Alors pour le trouver, ça va pas être facile. Ils vont... Il doit prendre des photos. Je sais pas. Il faut regarder. Lui là. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là dans le coin là? Hop, toi là. Ouais, c'était bon. Et il y en a 4 hein, en tout. Bon, ça va, ils sont pas très fut-fut. Hein. Toi là, dans le coin, tu m'inspires pas non plus. Là, toi, hop. Ah non, pardon. Elle est pas contente du coup. Ok. Toi, tu fais quoi là? Ouais. Toi, je t'ai vu. Tu étais en train de noter un truc sur ton papier.
Voilà, et ça va permettre, alors il m'en faut encore deux, ça va permettre de le fait de les trouver. Alors, ils sont où? Ils sont où les petits gars là? Toi. Et encore un. Allez, encore un. Lui. Lui. Ouais, plus 6000. Waouh. Waouh. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va réparer quelques tables. Ici, les réparations, ça va venir. Ok, ça marche. Et là, oh, une table qui brûle. Merde, on a perdu une table, mais bon. Boum. Ah ouais, carrément, elle a explosé, quoi. Réparation en cours. au feu. Il a eu chaud aux fesses. Il n'y a personne qui va venir la réparer, celle-là. Est-ce qu'il faut la supprimer ou pas? Je sais pas. Non, c'est bon, il la retape apparemment. Ouais, d'accord. Ah ben dis donc, elle a bien chauffé. Ouais, ça c'est un peu plus long, alors, du coup. Allez, on a encore des trucs à vendre, là, éventuellement. 3. Voilà. On va faire attention à ce que ça ne crame pas encore. Voilà, on répare tout ça. Alors, on est justement dans la partie d'assemblage, donc c'est pas top de les réparer maintenant, mais bon. On est encore bon au niveau des délais. Et voilà, donc là c'est bon, on a terminé les barbecues, on a la demande est bonne et également le prix. Donc on le livre vite fait et on va voir. Ah, j'ai gagné des points, super. On va lancer un défi pour Svekia, ça tombe bien. Ce plan, on l'a déjà. C'est le plan 2, des commodes larges, beaucoup de coupes droites, je vois là. Ah. Alors, il nous faut en faire combien? 14. C'est un défi. On va pas travailler par l'eau. On y va. Allez, c'est parti. Bougez-vous. Voilà, le camion est arrivé. C'est pour virer les barbecues. Voilà, plus 25 000. On a beaucoup de sous. Allez, maintenant, il ne faut pas perdre de retard dans l'exécution. Oh. C'est quoi ça? Une machine a explosé. Wow. Zut, justement, c'est là où j'avais mis les différents trucs. Alors ça, on va le transférer là. Ça, on le transfère là. Et ça aussi. Voilà. 28. Là, on va partager la production en deux. Et on va... 14 et 14. Voilà, on va mettre 14 ici. Voilà. Wow. La machine a explosé carrément, quoi. Bon, on n'est pas en retard, mais pas loin. Pourquoi la flèche elle reste là? Je sais pas. Ici, l'étape de montage, on va réparer le plus possible. Voilà, hop, hop. En bas, les fraiseuses. Ah, d'accord, c'est parce que. Voilà, non. Ok, c'est bon. On va. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de réparer. C'était juste ça qui avait reçu un coup derrière les oreilles. Allez, c'est bon. On reprend une activité normale. Allez-y, les gars. Plein pot. Allez, ça y va, les opérations de coupe, là. Bon, on aura eu deux machines qui ont explosé. Et un bonhomme qui a pris feu. Alors, on a des points. On va aller voir ce qu'on va choisir. Voilà, ça c'est quoi? Marketing direct. Ouais, bof. On a 5 points. Travail du métal 3, travail du plastique, travail du bois.
Recrutement de stagiaires, limite d'employés, on n'y est pas encore. Manipulation du marché, retarder le transport et réflexe le travail. Améliore la vitesse de ramassage de dépôt de 40%. Ouais, on va prendre ce truc-là pour l'instant. Ok, on n'a plus qu'un point. Bon, il devrait travailler de façon un peu plus efficace. On va réparer ça, ça et ça. Voilà, on répare toutes les machines. Ça fait perdre un tout petit peu de temps, mais on est pas mal en avance. Et j'ai toujours la flèche là, je sais pas pourquoi. C'est bon, elle est partie. Allez, c'est bien les gars, bossez. On active. C'est un défi. J'aimerais bien faire un petit machin plastique en attendant là. Bah tiens, voilà, c'est un défi en plus. 15 unités. Ouais, mais deux défis en même temps, ça risque d'être un peu chaud, non? Pour Crazy Steve. On l'a pas, c'est déjà ce plan-là. Si, si, il faut 9, 18. D'accord. Donc là, on va monter à 20. Voilà. Et maintenant, il nous faut un peu plus de force. Et là aussi. Voilà, 11-20. On va lier les postes de travail. Injection de mousse. Ça va se faire là. Ça va pas toucher au reste. Donc on va faire comme ça. Il en faut 15. Et la peinture, ça se fait ici. Ben, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et bien sûr, l'assemblage se fera là comme ça. Alors, on en a 15 à faire. Je vais peut-être pas travailler par l'eau. Je vais l'envoyer comme ça. On va voir si on arrive à faire deux défis en même temps. Voilà. Allez. Hop. Il vient de décharger le plastique et je sais pas quoi. Pourquoi ils les mettent là alors que le principal du travail, c'est là-bas. Et ils ont ici des zones de stockage. Ouais, après, ils font les allers-retours. C'est pas très malin. Ils remplissent l'étagère au maximum. Ok. Bon, on est un peu en retard, je vois là. J'espère qu'on va le rattraper. On a toujours un petit peu de retard. C'est bon, la barre rouge diminue et on est repassé devant. Ça serait cool qu'on arrive à faire deux défis. Je n'ai pas regardé combien ça payait, mais comme c'est un défi, ça m'intéresse quand même. Ici, ils n'ont rien réparé, les machines, ça va. Là où on va réparer celle-là et celle-là, voilà, on va réparer tous ces trucs-là. On a repris du retard. Ah. Est-ce qu'on va le rattraper? Oh là, on n'a pas l'air de le rattraper. Je vais passer ce truc-là en premier. Il reconfigure les machines, ça fait encore perdre du temps. Allez. Il faut qu'on le rattrape. Là, on a beaucoup d'avance. 28, 29. C'est tendu, 30%. Allez, la barre rouge diminue légèrement. On a fini tout le travail du bois. Beaucoup d'assemblage. Ah, c'est l'assemblage qui va me gêner peut-être un peu. En bas, je vois ça. Si, c'est bon, ça avance. La commode large. Et le plastique, on a repris le dessus. Attention à la santé des bécanes. Arrêtez de reconfigurer sans arrêt les trucs là. Ça va, ça marche. On va être juste, je pense. L'assemblage, il ne faudrait pas qu'il nous joue un tour. Je vois qu'on a sur les tables de quoi faire un autre défi sur la nourriture en plastique là, mais personne ne vient. Faudra penser à libérer les tables, les gars. On a quelques commodes de prêtes. Ça va, je pense que on devrait s'en sortir. Voilà, il commence à sortir de la nourriture en plastique. Il y en a plein ici. Allez, 98% et 98%. Voilà, on livre ça. Waouh, on vient de faire deux défis en même temps. Cool. Allez, ça livre max. Bravo. On a pris du skill avec le client. C'était Svekia, je crois. Ouais, on est presque au bout là. Super. Donc il faudra faire plus que... Hop, ça aussi c'est fini. On livre. Et on va ramasser un tas de pognon. Voilà, et ben c'est sur cette belle image qu'on va se quitter. On a livré tout ce qu'on a voulu.
Et on a atteint un palier. C'était le maximum de réputation avec un client. Ah, le téléphone sonne. Bon, on va répondre. Ils ont reçu une commande conséquente de meubles et ils ont besoin d'aide. Ben, on va voir. C'est dans les défis des chaises. Récompense 108 000. Eh bien, écoutez, je pense que ça sera pour la prochaine fois. Allez, sur ce, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.